Salut à tous, c'est Manu sur Dragon Ball Z Kakarot pour la suite de notre aventure. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la fin du DLC. Enfin, tu me diras, on a vu la fin de l'histoire de Bardock. Aujourd'hui, on fait également la petite histoire réservée au petit prince Vegeta. C'est parti, comme ça au moins on aura fait effectivement tout ce qu'il y avait d'intéressant à voir dans ce DLC numéro 4, mine de rien. Démarrer l'histoire du prince Vegeta, tout à fait, c'est le but. Waksei Vegeta no Vegeta Oji. 幼少より類いまれなる戦闘力を有し、同族のみならずフリーザ軍の中でも注目を浴びる存在であった。しかし、彼もまた数奇なる運命を歩み始めることになるのである。これはその始まり、果てしなき物語の一端。 Quelques jours après avoir quitté la planète Vegeta. Planète Freezer, salle d'entraînement. Il est mignon comme ça, le petit avec sa petite queue. Allons-y. C'est parti. Petit, mais puissant déjà. En même temps, c'est Vegeta. Alors, attention, attaque rouge, canon garrick. Oh, excellent. Ça rappelle les souvenirs. Déjà petit, ça va faire tout ça, quoi. Incroyable. Allez, envoie. Envoie un max d'énergie. Les bouboules. Bien joué. Le final, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La ruée proéminence. Attends, je me rapproche un peu. Parce que la ruée, je suppose que voilà. C'est un peu la même ruée qu'avait Bardock, justement. Très bien. J'ai déjà fait, mais je le refais. Ça fonctionne bien. Alors ça, je pourrais l'envoyer effectivement sur plusieurs ennemis en même temps. Ce sera l'idée. Attention, attaque rouge. Coup de gifle. Je n'aime pas ça. Attaque-le. Je ne sais pas pourquoi je restais comme ça statique. Je cherche pas à comprendre. Bon, ça va, alors, jauge de vie n'est pas non plus exponentielle. Ça devrait aller. Ok, bien, ouais, je la bouclier. Par contre, canon garrick dans ta tronche. Ah, il était protection lui aussi. Bio-explosion. Ok, encore des bouboules partout. J'adore. Pas de chance. C'est à côté. Il y va dessus, ce con. Génial. Ah, je te remercie, mon pote. Attends, je m'écarte un peu. Et je passe en... Même si, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que je perds du temps, mine de rien, en faisant ça. On est déjà assez puissant. Ouais, si, c'est bien. Canon garrick! Attends! Prends ça! Maintenant! D'accord, je t'ai loupé, mais pas deux fois, mon cow-boy. C'est tout? Termine-le. Attends, écarte-toi un petit peu. Bien joué, ça. Hein. Allez, vas-y, la pluie de vie! Allez, j'espère un pire en S. Hein. Et oui, bien joué. Ah, il est vraiment sympa à contrôler. Hein. Et déjà très puissant. Bacana, ano kyouka saibaiman tachi o. Nani ga bacana mon ga. ベジータ様はあれでも手加減しているぐらいだぜ。末恐ろしいガキだ。終わったぞ。早くゲートを開けろ。了解。さすがですな。ふん。くだらんおべんちゃらはよせ。こんな星にいたんではちっとも強くなれない。フリーザ様に どこかまた占領する予定の星を一つもらえるよう願ってみるかな。またですかい。ん。<笑>よう、ベジータ、今日もつまらんトレーニングか。随分とお暇なんだな、サイヤ人の王子様は。な。キュイ、貴様こそ暇なようだな。そのつまらん俺に会いに来るほどにな。ち。 相変わらず口の減らねえやつだ。せっかくお前の相手をしてやろうと思ったのによ。相手だと？貴様がか。なあ、そうだ。知ってるか？ここ最近俺様とお前とがライバルだって噂されてるってよ。どうやら戦闘力が近いからってことらしいが。<笑>冗談きついぜ。 この天才キュイ様と、たかがサイヤ人の王子様とがライバルだなんてありえねえぜ。なあ？たかが。
今の言葉はベジータ様に失礼では。俺はベジータと話してるんだ。三下は引っ込んでろよ。どうだ、ここらで白黒つけとかねえか。どっちが上かはっきりさせようぜ。いいだろう。しかしベジータ様はさっきまでトレーニングを。かまん、あれは準備運動に過ぎん。それにこれくらいのハンデをくれてやった方が奴のためだ。ちっ、つくづくイラつかせやがるなてめえは。でげ、そんな口を聞けるのも今日までだぜ。準備が整いました。いつでも始めてください。やりすぎちまうかもしれねえ。死ぬ前にちゃんと降参しろよな。その言葉そっくりそのまま返してやる。 J'aime beaucoup ce caractère. Allez, je suis bien chaud, hein. Amène-toi, mon kiwi. 5 fruits et légumes par jour. Ok, le petit canon. Quoique, écarte-toi, hein. Trame corporelle. Oh l'enfoiré, je passe derrière. Explosion, envoie les boulettes. Ah d'accord. C'est bien joué. J'avais perdu un peu de vue. Mais y'a pas de soucis, on maîtrise toujours. Je fais monter ma jauge, effectivement, pour la surcharge. On s'écarte un petit peu, explosion déferlante. Full esquive, hein. Eh ben, ça passe pas loin à chaque fois. Il a beaucoup de compétences, celui-là. Alors on est censé effectivement être à un niveau assez proche. Donc espérons, avec l'entraînement qu'on a fait avant, ne pas être trop fatigué. Ok, ça repart avec explosion déferlante encore une fois. Il se répète beaucoup. Alors on va éviter d'utiliser effectivement trop de soins, parce que c'est ça qui faisait, je pense, que j'avais des mauvaises notes parfois dans le reste du DLC. Ok, bien joué. Garde-toi. Oh la vache. Il prévient pas celui-là, hein. Ok, étourdissement. Good. Ok, récupère un petit peu de ki. Passant sur charge même, ce serait bien. Et après, tu l'allumes, hein. C'est parti, canon Garrick. Oh, ça va être bon, ça. Oh, c'est très très bon. Ouah. Incroyable. Ah ouais, monsieur. Le finish, il est monstrueux. Le finish, il est dingue. Et on n'a pas eu à consommer de soins. Le roi. On passe niveau 32. Sonna bakana. Naze omae gotoki ga kore hodo no chikara o. 俺はこれまで絶えずトレーニングを続けていた。たとえ栽培マンのような雑魚相手でも少しでも強くなるために手は抜かずにな。貴様のようにぬくぬくと過ごしていたわけじゃない。お前は俺より弱い。わかったな。いいだろう。今回はこれで見逃してやる。今回はてめえがトレーニング後ってことで少し手加減してやっただけで、次は必ず貴様を潰す。手加減抜きで本気の力でな。次とは言わず今でも構わんぞ。は、俺はこれから仕事があるんでな。貴様の相手をしてやる暇はもうないんだよ。いいか、覚えていろ。近いうちに必ずお前をズタボロにしてやる。もうよろしいのですか。うせえ、俺は忙しいんで。いや、正直スカッとしましたぜ。やつがくだらんことを言うから立場の違いを分からせてやっただけだ。サイヤ人の恐ろしさを味わって今頃きっとめちゃくちゃ悔しがってますよ。だがやつの実力は偽物ではない。おそらく次に会うときはさらに強くなっているだろう。そうでなくては奴の存在理由はない。俺が強くなるためにせいぜい利用させてもらう。
そのためのライバル関係という言葉は案外都合のいいものかもしれんな。おお、さすがはベジータ様。そこまで考えているとは。あのベジータ様。なんだ。実は先ほどのトレーニング中に連絡が入っておりまして、地上げに向かう次の目的地が決まったようです。おお、いいタイミングだ。久しぶりに大暴れできるぞ。腕が鳴りますぜ。出発はすぐになさいますか？それなら私の方から係員に連絡をしておきますが。いや、その前に挨拶に行く。挨拶？誰にですかい？なんだ貴様、何しに来やがったんだ。ここは貴様のような奴が入ってこれる場所じゃないんだぞ。俺はフリーザ様に出発のご挨拶をしに来ただけだ。その必要はない。さっさと言われた星の地上げをしてこい。いいんですよザーボンさん。フリーザ様。ベジータ、しっかり働いてきてくださいね。ありがとうございます。礼には及びませんよ。フリーザ様は何と。しっかり働いてこいとのことだ。はは、しっかりとね。え、ま、ベジータ様と俺なら問題ありませんな。まだ到底及ばん。だが、必ず。それでは発進します。お気をつけて。さて、どうやって攻めていきましょう。大した戦闘力はないようですが、かなりの人数が一箇所に集まってるようです。ほう。その他にもいくつかまとまった反応がありますぜ。そこをせめて力を分散させてもいいかと。まあいい。いずれにしても今回は別行動だ。ナッパ、お前は俺とは逆側に攻めろ。いや、しかしそれだと距離が離れすぎて互いにフォローができませんぜ。フォローなどいらん。ただ突き進めばいい。はあ。もしこんなところで死ぬのならそこまでの実力ということだ。脆弱なサイヤ人など必要ない。わかるな。はい。そろそろ始めるとするか。いいな。手加減はするな。サイヤ人の力を存分に発揮しろ。行くぞ。はい。さて、どこから遊んでやるかな。この俺に狙われるとはつくづく運のない奴らだぜ。 Ouais, ça va être pareil effectivement que dans le DLC, la partie avec Bardock. On va devoir battre des vagues d'ennemis, je pense. さて、この辺の奴らをぶっ倒すとするか。さあ、何匹でもかかってきやがるんだな。うしゃー。全部まとめてコッパみじんにしてやる。Façon puzzle. C'est parti. 280. Oh la vache. Alien à longue queue. Et avec des cornes. En plus, en paiement.On va voir bien sûr l'attaque Z. Attends, j'esquive tout ça. Canon Garrick parce qu'ils sont très nombreux devant. Oh, elle est parfaite celle-là. On n'a pas de transformation? Non. On va les connaître. Hein. On est tué assez vite comme ça. Ok, belle esquive. Bon, lui par contre, il bloque, c'est enfoiros. Attaque Z monte assez vite, ça va. En espérant qu'on n'en tue pas juste 20 à la fois parce que sinon ça va durer 3 heures hein, ce combat.Ouais, donc je vais pas faire la même bêtise, tu vois, que j'avais fait effectivement Explosion Z.
Je vais pas faire la même bêtise que j'avais fait dans le DLC avec Bardock. Enfin, on est dans le même DLC, hein. C'est juste qu'on est avec Prince Vegeta, on se comprend. Seulement 25 ? Sans déconner. Oh, ça va être méga long. On fera pas la même bêtise dans le sens où... où là, je bats d'abord les vagues, hein, parce qu'après, on va avoir un combat genre là avec 1000 ennemis. Hein. On va réduire un petit peu la puissance de base. Ok, canon garrick. Voilà, ça leur fait très très mal. Allez, explosion, quelques boulettes. Ça c'est bien pour en tuer plusieurs à la suite avec la même attaque. Ok, pas mal. J'esquive tout ça par contre. Attention, je suis ciblé. Explosion Z. Ah mais oui, c'est vrai qu'on peut augmenter le niveau. Donc l'idée serait peut-être que j'attende que j'augmente le niveau justement de l'attaque. Et on pourra en tuer bien plus à la fois, je pense. Ouais, ouais. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ah, lui, il est un peu plus puissant. Effectivement. Allez, la ruée. Voilà. Ça, c'est stylé. Essayons de varier un petit peu les compétences. Bon, on est déjà à 99, quand même. C'est bien. Ah non. J'ai pas le temps de faire la surcharge. Tant pis, canon garrick. C'est pour vous, les copains. Lui, ouais, il est plus fort. Oula, 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 oula. Attention, là, il se déchaîne de tous les côtés. Pas simple. Canon garrick. C'est bien joué. Eh bien, ça y va. Hein. Je prenne du ki un peu. T'as pile poil quand je prends du ki. Ils me balancent tout ce qu'ils ont. C'est fou. Ok. Oh joli. Ils sont tous devant. C'est stylé. Ouais ouais, on va attendre hein, pour l'explosion Z. D'abord, augmenter encore la jauge, augmenter le niveau. Et là on verra si en augmentant on fait plus mal, si on tue plus d'ennemis. Je pense que oui. C'est Anon Garrick. Oh, c'était pas sur lui que je voulais l'envoyer parce qu'il était solo. C'est un peu con ça. Ah, attends. Ok. Maintenant. Niveau 2, ça avance bien. On a des bleus, on a des jaunes. Niveau 3, c'est le max, hein, niveau 3, je crois. Maintenant, explosion Z niveau 3. Ah, j'aurais compris ça, effectivement. Dans le reste du DLC, je pense qu'on aurait été plus vite. Vérifions cette hypothèse. Ah bah oui. 111. Ah bah 111, c'est pas 20. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr que vous allez me le dire, du coup, sur les vidéos des... sur les deux autres vidéos du DLC. Je suis bête, vraiment. Depuis le début, j'avais pas compris. C'est quand même terrible. Et il y a moyen en plus que ça affecte la note de base. Là, je pense qu'on va... On aura une meilleure note parce qu'on a joué comme ça. On est allé au niveau max de l'attaque Z. Attends, je m'écarte un peu. Tire-toi. Oh la vache, l'ultra instinct, c'est incroyable. Allez, on passe en surcharge. Allez, maintenant, on va envoyer plusieurs canons garrick. Maintenant. Dès que c'est possible. Maintenant. Ah, ils sont tous devant, à la file indienne. Faites un plaisir. Incroyable. C'est la folie. Attends, j'atteins le niveau 2 et je balance, hein. Voilà. De toute façon, ils sont plus que 10. Même niveau 1, ça aurait fait le café. Bon, non. Ils vont m'en laisser un ou deux. Hein. Waza ! Magnifique. Il m'en laisse qu'un seul. Ah non, deux. Un qui n'est pas comptabilisé. On s'écarte un petit peu. Oh là là. Là, attention, les deux là. Double boule quoi, sans déconner. Ça dégage. Boule de feu. Je reprends du ki. C'est fou. Là par contre t'as pas le temps contre eux de faire quoi que ce soit. Je m'écarte encore. Allez. Les bouboules. Ça aurait été bien de se mettre en face des deux. Ça ferait plus de dégâts.
C'est déjà pas dégueu. Derrière moi. Ok. Je suis passé derrière. Ni vu ni connu. On voit la sauce, mon petit. Ah. Attends. Tu pourrais pouvoir me toucher, toi. Tu m'as pris pour un jambon ou quoi? Je suis le prince Vegeta. Salut go. Allez, on voit le canon Garrick. Multiple. Jusqu'au bout. T'as de la chance. Eh ben, on termine avec une explosion Z. Allez. Des voix, ça suffit. Tu es pathétique. Et voilà. Bon, j'espère que c'est un rang S, hein. On l'a plutôt bien joué, je pense. Minimum le rang A. J'espère. Le rang A. Ah, un peu déçu. Je devais pas être si loin du rang S. Et on passe niveau 34. Ah oui, c'est vrai qu'on augmente aussi le niveau en plus de du perso. Le niveau de force de l'ennemi a diminué. Ok. Est-ce qu'il faut détruire quelque chose comme autrefois? Ouais, ouais, voilà. Détruit la tour. Super, ça serait bien d'en faire d'autres. Pour éviter d'avoir 50 000 ennemis. Ou alors, ce qu'on peut faire. Ouais, on va quand même en faire un de plus. Parce que de toute façon, après, c'est plus long. Donc allez, deuxième tour. Donc maintenant on a compris, hein, charge absolument. Le niveau, faut être au niveau 3, 230,5 encore une fois, c'est beaucoup, mais ça va le faire. Allez là par contre des bouboules, ils sont nombreux. Allez on balaye un petit peu gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Pas mal. Canon Garrick. Allez, on tape à mort. On s'amuse, on réfléchit pas tellement. Canon Garrick. Venez dessus, s'il vous plaît, merci. La surcharge, bon, j'ai remarqué que ça met tellement de temps pour récupérer du ki, parfois que c'est pas forcément la meilleure idée. Quoi qu'il arrive. Et attention, oulala. Ils ont fait une étoile ou quoi? Avec tous les faisceaux qui venaient par là. Ah bah le canon Garrick c'est le mieux parce que tu vois il s'aligne un petit peu tous. Super. Taille. Putain j'ai pas réussi. Allez. Bouboule. Très bien. Vise un petit peu en bas. Allez maintenant. Ça serait bien de faire attaque Z, on est niveau 3. Hop là, explosion Z. Ça en tue quoi? Ça en tue une centaine à chaque fois? Donc a priori, ça en retue une centaine. Ouais, 115. On a à le faire deux fois. Voilà. Ça va franchement, hein. C'est pas si long que ça au final. Si on a compris, il fallait la remplir à fond. Mais voilà, vu que je suis quelqu'un qui a assez dur de la feuille... Forcément, j'ai perdu beaucoup de temps. Allez, bouboule. On balaye, on balaye, on balaye. Et comme ça, au moins, on va moins souffrir sous le combat après. Hein. Il me colle à la peau, celui-là. Attention, lancer, l'appareil. Récupère un peu d'énergie, mais pas trop. La ruée. Oh là là. J'aurais même fait de m'abstenir, mais je perds très peu de vie, mine de rien, dans ces combats. Ça se passe plutôt bien. Ah, par contre, ils sont tous vénères, là. Eh, les gars. C'est pas je vous aime pas, mais... Respectez-moi un peu, quoi. Niveau 1, ça progresse bien. Bientôt niveau 2, voilà. Bon, franchement, ça arrive vite, hein, finalement. Putain, comment je me suis embêté dans mes deux premières vidéos du DLC sans deck. Canon Garrick. Ok, un de moins. Attention. Je récupère un peu de ki. Tac, tac, tac. Et maintenant, les bouboules. Ça fait plutôt mal aussi quand même.
qu'on réussit à balayer comme ça. Le problème, c'est que les autres peuvent te toucher entre temps. C'est un peu ça le problème. Niveau 3, c'est parti. Allez, comme ça, il me restera qu'un ou deux ennemis à battre après. Voilà. X 37. Forcément, hein. Ké. Un petit bleu. Boule de feu. Ok, vas-y, on va le rusher à mort. Ils sont deux, hein. Ça, j'avais capté. Les boules. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de faire mon attaque, je peux pas esquiver la sienne qu'il a envoyée après. Parce que la mienne ne l'immobilise pas. Ce qui est un petit peu chiant. Canon Garrick. Belle finition en plus. Allez, le roi est cette fois-ci. Oui monsieur. Maintenant qu'on a compris qu'il fallait effectivement atteindre le niveau 3. Le prince Vegeta qui passe niveau 35. Ouais, je vous cache pas qu'effectivement cette partie-là du jeu, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu... C'est comment qu'on fait par contre pour... Attends, pour les cocoas. Bah, on peut pas le tirer. Ah voilà, c'est comme ça, pardon. Je me trompe. Et je peux récupérer ce machin en bas, mais on s'en fout. Autre tour, éventuellement, là-bas. Niveau 2. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est passer tout de suite au combat, mais... On va les mettre peut-être au niveau 1. Non, c'est un petit peu chiant. Allez, tu sais quoi, on y va. Ils sont pas tombés au plus bas, mais... Ça doit suffire. Actuellement, le niveau de force 2, le combat sera corsé. Continuez. Oui, allons-y. Eh bien, allons-y. Le gros combat, c'est maintenant. Ah oui, 600 quand même. C'est pas mal. Attends, essayons de bien commencer. Ne perdons pas trop de vie. Boule de feu. Maintenant. Ah bah d'accord. Attends, j'ai touché personne. Trop fort. Lâche pas faire. C'est mieux. Vous êtes faibles, les amis. Encore c'est dans la partie avec Bardock. J'avais fait le combat en très corsé, pour le coup, parce que j'avais détruit qu'une seule tour. Putain, mais quel bordel. Boulette. Mais vous êtes loin, les gars. Comment ça se fait? Vous êtes vachement loin. Beaucoup trop loin. Bon, on en tue 100 à chaque fois. Ouh. Pas gentil. Ouais, c'est vrai que dans ce DLC, on va pas se mentir, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. L'histoire, toujours très cool à suivre, même si, bon, peut-être que les fans, du coup, de la série, ou qu'ils ont vu des OAV et tout, bah, connaissent déjà l'histoire de Bardock, qui est assez connue. Mais, par contre, c'est bien reproduit, c'est fidèle et tout, quoi. Comme le jeu d'origine, qui reproduisait vraiment très très bien. Avec l'animé. Ok... C'est vraiment la qualité du jeu. Après, c'est vrai qu'en combat, on est sur quelque chose d'agréable. Vraiment. On est un petit peu assisté. Moi, j'aime bien. C'est vraiment un jeu qui fait toujours passer un super moment, quoi. Fait avec des attaques qui sont toujours très réussies visuellement. C'est vrai qu'on a des combats qui sont quand même assez impressionnants. Ok. Explosion. Voilà. Ça, normalement, ça en déglingue 100 à la fois. 100 et des brouettes. Fais-moi rêver. 111. Ok. Gé. Ça me fait rien. Allez, supercharge. Histoire d'en éliminer beaucoup plus. Niveau 36, mine de rien, ils sont un niveau au-dessus de moi. C'est mal, hein. Oh là là, magnifique. Bon, j'ai plus de ki par contre au bout d'un moment, hein, faut pas déconner. Mais ça fait mal. Par contre, c'est le genre de jeu, effectivement, qui peut paraître un peu brouillon, parce que justement, tu vas partout très rapidement, c'est tellement speed, et heureusement finalement que c'est un peu assisté, parce que tu saurais plus où t'es du tout.
C'est ça le truc. Là, clairement, j'arrête pas de tapoter sur ma touche, tu vois, et... sans m'arrêter, quoi. Sans regarder où je vais taper. Parce que ça change de cible automatiquement. Heureusement. Ça m'aide à en tuer très vite. Bon, allez. Attends. Canon Garrick. Allez, bientôt le niveau 3, ça approche. Attends, je charge un petit peu. Le Tom Sawyer passé en supercharge. Je pense pas qu'en mettant Explosion Z plus supercharge, ça change quoi que ce soit, mais enfin. On va essayer, je suis quand même curieux. Attends, mais je suis beaucoup trop haut ou c'est moi là? Ouais, bon, allez. D'accord, c'est quand tu veux, hein. J'étais un peu sonné, je crois bien. Tant pis pour le combo. Ah, je vais récupérer du ki si possible. Après. Méchant garçon. Crâne d'œuf. Attends, je m'écarte un peu. Explosion Z. Bon, tant pis, hein, j'étais pas en surcharge. J'aurais voulu essayer, mais c'est pas grave. Oh, ça va aller vite. Bon, c'est un poil rébabatif, mais 122. Yeah. On est un peu plus de la moitié. Le petit canon Garrick, toujours efficace. Ah, par contre, je m'écarte la boule de feu. Il en a envoyé plusieurs. Oulala. C'est un piège. Ils se mettent tous contre moi. Hein. Tu me diras depuis le début, c'est comme ça. Hein. Attends. Boule de feu. Voilà, j'ai repris mon ki. Mettez-vous tous à la file indienne. Arrangez-moi. Tu vois, je m'écarte comme... Ah oui, il envoie trop boule de feu celui-là. Tous à la file indienne et maintenant, canon Garrick. Mais non, c'est pas lui que je voulais. C'était ceux qui étaient avant, là. Putain, mais je prends cher depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ils sont passés à un niveau supérieur de ouf. C'est marrant. Mais c'est les jaunes, je pense qu'ils sont plus forts. Ouais, c'est ceux qui ont débarqué après, plus tard. Pas au début du fight. Allez, boulette. D'accord, je pensais le toucher, lui. C'est un enfer, on voit plus rien. Bon, je vous laisserai quand même le full gameplay, je pense. Hein. Si vous voulez faire du... Parce que je sais très bien qu'en plus, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez très bien avancer la vidéo, la reculer et tout. Vous gérez comme vous voulez. Et je sais que beaucoup font du zapping. Ne me faites pas croire l'inverse. Moi-même, hein, quand je regarde des let's play, parfois des vidéos, eh bien, je zappe des passages parce que, bon, c'est pas les trucs les plus intéressants, mais je le laisse, voilà, pour ceux qui aiment bien avoir l'entièreté de la chose. Oui. Alors, si on pouvait éviter de se soigner, ce sera bien parce que on aura une meilleure note au combat, mais ça va pas être simple du tout. Autant le dire. Ah, mais au fait, on a attaque Z. Je suis bête, moi. Allez, on voit. On va essayer vraiment de pas se soigner. C'est pas gagné. Ce sera très cool si on y arrive. On est quand même dans le rouge. Hein. Ça craint. Ah, quoique, plus qu'un combo, plus qu'une attaque comme ça, et ça le fait. Allez, est-ce qu'on va résister? Parce qu'en plus, à la fin du combat, ils envoient la totale. Pas gagné. Oulala, oulala, oulala. Ok, pas mal. Vas-y, on voit les boules là. Restez tous devant moi. Oui, messieurs. Ne bougez pas, surtout. Vous êtes bien là. Ah, vous êtes parfait. Continuez, vous m'intéressez. Pas mal. Ça s'en sort bien. On réesquive. Là, on la joue. Survie, hein. Là, on la joue vraiment. On vise à garder un maximum de. Oh putain, de vie! Maintenant! Non, pas sur le. Mais c'est quoi ça? Mais arrêtez! Calmez-vous! Vous êtes excité comme ça là! Le grand jaune. Alors, est-ce que niveau 2 ça suffirait? Non, 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 on va attendre le niveau 3 pour vraiment tous les finir. Pour être sûr. On va se faire le maximum. Mais oui, a priori, on va pouvoir finir comme ça.
sans utiliser de soins, c'est une prise de risque quand même. Je tiens à le dire. Mais là on est bien à les enchaîner comme ça, juste au corps à corps. En vrai, meilleure strat. On perd pas de time, on reste actif. Et là maintenant, explosion Z. Oh, c'est tellement bien géré. Bon, attention parce qu'il nous restera encore deux ennemis potentiels à la fin. Mais clairement, tu vois, ça c'est le gros combat, le combat principal. Et c'est pas différent des petits combats qu'on a fait avant. Hein. Je trouve ça un peu bête, y a pas de différence en fait. Tu ressens pas que c'est un combat plus important. Allez, boule. Direct. Voilà, pas mal. Il prend cher. Canon Garrick. Il l'esquive pas, c'est parfait. Attends, mais comment ça, il a pris très peu de points de dégâts en étant là-bas. Je m'écarte, boule de feu. Oh, j'ai presque plus de vie, j'avais pas vu. Attends, est-ce que je prends le risque de le terminer comme ça? Corps à corps. S'il me touche, je suis mort. Hein. Je vais avoir les boules. Non, je prends envie de crever, les gars. Tant pis, je prends un vitage. Oh, que j'ai bien fait. Oh, que j'ai bien fait. Tant pis, on n'aura pas le rang S. Oh, je suis dégoûté. J'étais pas loin de pas avoir à utiliser un Vitaju, mais là clairement il m'aurait tué. Hein. Oh, ah, rien du tout, on aurait pu avoir un super rang. Et du coup rang B, ouais, normal. Ah, c'est les boules, hein. Niveau 36. Nappa, senkyo oshiero. Ah, oui. Mada kousen chuu desu ga, 8割 gata katazuita ka to. そうか。ならそのまま最後まで潰せ。こっちももう終わる。了解しました。締めだ。ふう。終わったか。あとはベジータ様と合流を。あ？フリーザ軍からの連絡か。珍しいな。向こうから連絡をしてくるのは。ナッパだ。ああ、聞こえるぞ。ベジータ様、聞こえますかい？なんだ？通信が入りまして、何でも惑星ベジータが消えちまったそうです。ほう、それで原因は巨大な隕石が衝突したとかで、生き残ったサイヤ人も俺たちを含むごくわずかだとか。ふん、それで。あ、いや別にそれだけです。この惑星もほぼ全滅だ。フリーザ様にもう少し手応えのある星をお願いしなければな。この時は惑星崩壊の真の原因について知る由もなかった。しかし医師への疑念を覚えたベジータはさらなる強さを求め戦いに身を投じ続けるのである。巨悪フリーザ、そして下級戦士カカロット、三者三様の思惑が交わる。来たるべき未来に向けて。Ah d'accord, c'est fini? Allez, c'était court. Tu peux désormais affronter les aliens à longue queue dans le camp d'entraînement avancé. Ah, c'était que ça? D'accord. Je m'attendais quand même à une durée un peu plus longue. En tout cas, ça y est, on a vu l'histoire donc de Bardock, bien sûr, hein, c'était le principal dans ce DLC, mais aussi la petite avec le prince Vegeta. Bien cool, hein, même si c'est assez limité, on va pas se mentir, mais toujours sympa de voir ce petit Vegeta, toujours aussi caractériel. Et bien écoutez, merci à tous, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu, pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines aventures et découvertes sur la chaîne. Prochainement, Forspoken, qu'on va découvrir ensemble, également, nouvelle aventure sur Dead Space Remake, j'attends beaucoup, hein, j'ai hâte, parce que vraiment, c'est un jeu incroyable, qui fait un tout petit peu peur. Bon d'accord, qui fait très peur. Également plus tard, le jeu que la Terre entière attend, bien sûr,
C'est le jeu Hogwarts Legacy, je sais que vous l'attendez, on le fera à 100% sur la chaîne. Comptez sur moi, il y a une grosse aventure de prévu sur le jeu et plein d'autres choses qui arrivent le mois prochain. Merci à tous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!